Allô, Kat. C'est Sarah. Quand on voit le message, là, c'est assez urgent. Je suis dans une maison, là. Mais je sais pas comment je me suis rendue ici. Je me suis peut-être fait kidnapper ou violer. Mais je me suis pas fait violer, là. En tout cas, je suis en banlieue, on dirait. Ah, je suis à Saint-Hubert. Au 1070 rue des Troutes. Des Tourtres. Des Tourtes, voyons. Je trouve plus mon char, là. Je trouve plus ma chemise. J'ai plus de batterie dans mon cellulaire. Fait que quand t'auras mon message, là, rappelle-moi au numéro qui s'est affiché. Mais j'espère que c'est affiché, en tout cas. Si tu peux venir me chercher, ça serait vraiment smart, parce que c'est ça. J'ai honte. OK. Bye. Tu m'as fait peur. Oh, désolée, je voulais pas vous faire peur. Es-tu une amie d'Yannick? Y a-tu fait un party ici hier soir? Il est où? Y a-tu d'autres monde dans la maison? Yannick! Non. Il m'a juste demandé de l'attendre ici le temps de... Il revient à quelle heure? Ben... Après l'école? C'est à quelle heure? Son autobus scolaire arrive vers 4 heures. Attendez, es-tu jeudi aujourd'hui? Es-tu jeudi? Hier, on était lundi. Oui, on est jeudi. Non, il y a du badminton. Il arrive à 6 heures. Toi, t'es pas à l'école? T'es-tu dans la même classe que lui? T'es pas allé à l'école? Je suis au cégep, moi. De Montréal? Au cégep. Cégep du Vieux-Montréal ou le collège de Montréal? Cégep. C'est à Montréal. C'est à alternatif. J'avais pas de cours. Écoute, il y a une fille plus mûre. Au moins ça qu'il n'y a pas en commun avec son père. Ben, le plus mûre. Je sais pas. Mais de quel âge? 20. Ben, je vais avoir 21 l'autre. Ben, c'est ça, entre 16 puis 21. Il y a quand même quelques gâteaux d'anniversaire. Hein? Comment tu t'appelles? Julie. Julie... Payette. Oh, comme l'astronaute! Née à Montréal, Julie Payette est titulaire de 2 baccalauréats et d'une maîtrise en génie informatique. Elle parle 6 langues, a reçu 18 doctorats honoris causa. Elle est pilote professionnelle, pratique le piano et s'est produite avec 3 orchestres symphoniques. Elle est allée 2 fois dans l'espace, a 2 enfants, et la personne qu'elle admire le plus est sa maman Jacqueline. Mais allô? Qui?
Non, il n'y a pas de Sarah ici. Vous vous êtes trompé numéro. Ben, il n'y a pas de quoi. Au revoir, au plaisir. C'est incroyable quand même d'aller dans l'espace. Quel courage! Un voyage spatial, c'est un tel danger. Moi, je deviendrais folle à force de flotter comme ça. Des menaces d'explosion à chaque instant. Une petite explosion, paf, tu meurs, c'est fini, c'est terminé. Dans l'espace, comme ça, ton corps prend feu, puis... En fait, non. Pas d'oxygène, il peut pas prendre feu. Il peut même pas crier. Tu peux pas crier. En fait, tu peux crier, mais on t'entendra pas. Tu te désagrèges dans l'obscurité. Prendrais-tu un sandwich aux œufs? J'ai juste tué un doc, par exemple. J'ai pas eu le temps de faire l'épicerie. J'arrive du chalet, j'ai plus de pain. Ça serait comme une guédille. Hein? Tu te désagrèges. Je peux emprunter votre téléphone? Je t'avertis, tu vas payer le gaz. Je pense que c'est légal, là. Il me semble qu'après 14 ans, on peut coucher avec n'importe qui. Mais il était-tu consentant? Faut voir, là. Je vais demander à Doudou, là. Mais je sais pas si ça rentre dans le droit de la famille, par exemple. Mais t'sais, il est très en demande ces temps-ci, là. Si c'est pas urgent, ça se peut qu'ils te répondent pas tout de suite. La balle est dans leur camp. Ils travaillent tellement fort, là. Même moi, je le vois pas. Heureusement qu'on a gardé nos samedis soirs. Si tu vas en cours avec ça. Non, mais regarde, ça. Je veux pas te faire peur avec ça, je pense pas. Rénove. 5 jets dans la douche. 5 Diver Stellars. Je les avais déjà montrés. Bien sûr. C'est très puissant, là. Oh, c'est bon. Ma vie. Puisque je parle déjà espagnol, je pensais que ça allait me mélanger. Il mio nome è Caterine, sono una dentista. Davo, là. Hey, ça donne envie de s'asseoir, demander de même. T'as même pas ça, voyager. Coucher avec un mineur. C'est pas confirmé. Pas confirmé parce que tu te souviens de rien. L'amour qui vient du jour m'appelle. Je suis vraiment obligée d'aller là-bas. Oui, c'est ton ami. Ça lui ferait beaucoup de peine que tu sois pas là. C'est la raison pour que je vienne te sauver. Faudrait peut-être que t'arrêtes de boire. Ça t'arrive souvent, ça. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas mon ami, là. C'est un résidu de relation. Peux-tu au moins passer chez nous avant? Non, on est déjà assez en retard comme ça, là. C'est important pour Justine. C'est pas pour toi qu'on fait ça, là. C'est l'addition de tout ce que je méprise réunie en un seul événement. Hey, tu retrouves plus ton auto, t'as menti sur ton âge, t'as menti sur ton nom, puis tu sens la sandwich aux œufs. Je sais pas, mais je trouve que t'as pas beaucoup de latitude pour le milieu pyro aujourd'hui. As-tu eu du plaisir à organiser tout ça? Ton horaire est tellement chargé. Ça m'impressionne. Tu m'impressionnes, Catherine. Moi, je peux te débarquer ici, ça me dérange pas. Attache-toi dans mes cheveux. Je t'ai pas raconté ça. Rendu là, j'ai fait un hand job, mais j'allais pas fourrer, par contre. Cancer, ascendant balance. J'ai du self-respect quand même. Je suis pas féministe. Pis, on sent pas mal. C'est très merveilleux de voir Maléa sourire. Aujourd'hui, la chirurgie est tellement rendue bien faite que t'as juste l'air de quelqu'un de normal. Il est tellement mystérieux, hein? Faut faire des compromis. Je le laisse libre. Comme ça, il est pas coincé. Il me met belle, puis il me trouve belle, puis je suis belle. Je suis très intolérante au gluten. Puis un petit peu au lactose. Tu peux faire des injections ici, 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 ici. Chant qu'il veut, chant qu'il a peur. Tu sais, un gars, faut pas qu'il se sente trop contraint. J'aime ça, ce mot-là, contraint. Je trouve ça divin, ce que... Clairement encore en amour avec moi. C'est comme le proverbe, un corps sain dans un... Je sais pas, on a peut-être pas la même définition du mot... Implication. Corps? Puis quand je me fais plaisir, ben, je m'en fais une petite date. Faut connaître la maternité. Qu'est-ce que c'est ça? Être bien dans un corps sain, c'est ça que je voulais dire. Je l'aime. Je suis belle. Je peux pas aimer mon bourreau, mais c'est pas mon bourreau. C'est ça l'affaire. Marche-toi dans notre destin. Le bonheur. Mais non, mais je l'aime. Y a rien qui accote ça.
Il y avait un tonsfroucloups. Ah! C'est quoi ça? Mais c'est quand ça fait un creux dans le sternum, là. Tu sais, quand tu peux manger des céréales dedans? Oui, oui, oui. C'est atroce. Mais tu vas essayer pour ça. Mais qu'est-ce qu'il veut faire pour ça? Tu l'as-tu frenché? Mais non. Non. Il était fin, il était beau, mais. Non, non, non. Quand j'ai vu le trou, là. Moi, je peux te dire, ça fait longtemps que j'ai pas frenché. Ça fait surtout longtemps que j'ai pas fourré. Moi, ça commence à faire longtemps que je me suis pas fait manger. Attention, t'as tapis blanc. Qu'est-ce que t'as vu finalement? Bisous! 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 Spécial ton t-shirt, Sarah. Bisous! Bisous! Ah! Ça arrivait tard. C'est beau que tu t'impliques, ton t-shirt. Moi aussi, j'en ai un depuis l'ablation de ma tante. J'ai beaucoup porté en allaitant. Comment va Étienne? Je sais pas. Mais je vous connais pas tant que ça, là, mais vous allez vraiment bien ensemble. Là. Pas tant que ça. Mais pensez-vous faire des enfants? Pas tant que ça. Vous avez tellement de choses en commun. À part le doute sur ses capacités intellectuelles, on n'a rien en commun. L'amour. Faire des enfants. C'est pour ça qu'on existe. Regarde Justine. Tu sais, le mariage. En tout cas, là, je suis assez contente de vivre dans un pays qui sent un peu poubelle, là. Êtes-vous déjà à la nappe? C'est... Mais tant qu'à ça, tu vas faire. Okay. Fait que t'es en doctorat, c'est ça? Oh. Au doctorat. Mais non. T'es sûre? Parce qu'on dit en thèse de doctorat. De quoi ça parle? Ça porte sur l'identité. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Je vois un gars qui veut, mais qui sait pas comment. Je vois un gars qui a pas les mots. Je vais vous pardonner, je vais vous aimer. T'as des beaux... T'as une belle couleur de cheveux. Merci! J'essaie d'arrêter de fumer, Jean, mais pas là. Ça va-tu? Oui. Ah, je pense que je fais rien d'exceptionnel, puis ça me rend pas particulièrement enthousiaste. Mais non, don't worry, pour vrai, on s'est occupé de tout. L'important, c'est que tu sois là, là. Non, rien d'exceptionnel. C'est sur mon auto, hier. Yeah. J'ai jamais de matinée, j'ai des affaires dans le coche. Des hosties. OK, hey, les girls! Les girls! On y va! Okay, bon, Justine, my dear, tournez des bars. Oui. Hein? Yes. Que tu ramasses de l'argent, évidemment, mais il faut surtout que t'embrasses des gars. Il n'y a pas une seule fille ce soir qui paye pour ses drinks. Moi, je vous le dis comme le principe de la prostitution. Elle, au moins, elle couche pas avec n'importe qui pour se valoriser. C'est malade! C'est une blague. Crazy! Non, non, c'est pas ça, c'est... Crazy! Crazy! C'est quoi ce crazy? Je suis pas sûre que mon chum serait content de savoir que je m'en vais faire ça. C'est quand même un peu weird. Ah, ben pourtant, il se gêne pas, lui, hein, Catherine? Ouais.
Ouais, mais c'est pas trop bon. Pourquoi tu dis ça? Ça me fait chier. Bah, pour rien. Ben là, rien. C'est une journée. Ouais, moi, je sais pas pour vrai. C'est un inside, là. C'est rien, c'est rien. C'est un inside? Quoi? Non, mais c'est... Oui, quel inside? Ben oui. Oui, raconte notre inside, Catherine. Elle était tellement désagréable. Non, c'est rien, c'est rien. Puis ça, là. Quoi? De quoi? Rien. 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 Mais là, rien, Catherine. Quoi? Quoi? Rien? De quoi? Non, mais c'est juste... Gars, c'est juste que c'est vraiment pas le moment. On en reparle une autre fois, OK? Rien, mais là, quoi? Rien, Catherine, quoi? De quoi? De quoi? Rien? Je veux dire, de quoi? Non, mais de quoi? De quoi? De quoi? On va parler plus tard! Parler de quoi? De quoi? Parler de quoi? Plus tard! Il couche avec Catherine depuis... De quoi tu parles? Je sais même pas... De quoi tu parles? De quoi elle parle? De quoi elle parle? De... Oh my God. Oh my God. Pardon? C'est quoi cette affaire-là? Tu me niaises, là? Non. Depuis quand? À toutes les filles sont au courant. Ça doit faire quoi? Une bonne année qu'ils empruntent vos appartements pour baiser? T'es une hostie de menteuse. Hey, niaise-moi pas, là. Le Secret File, là, c'est votre sujet préféré dans vos brunchs de Spice Girls. Hey, comment, là? C'est quoi? T'es jamais dans notre vie, toi? Puis tu viens en faire chier le jour de son bachelor? On s'appelle les Golden Girls, by the way. Secret File? Bon, sérieux? Mais... Bravo! Bravo! Justine! C'est quand même étonnant que ça soit pas sorti avant, là. C'est tout ce dont vous savez parler, l'amour. Être en amour, pas être en amour, pas être certaine qu'on est en amour, faire l'amour... Excuse-moi, là, c'est qui parle? Attends, j'ai entendu la voix... Ah, ben oui! Ben oui, c'est la fille qui black out puis qui couche avec des gars de 16 ans. Couche avec un gars de 16 ans? Ce n'est pas confirmé! Niaise-nous donc, tout le monde le sait quand tu bois, tu deviens gênante. Moi, gênante? Moi? Big time. T'as acheté un pénis mauve pour mettre dans le cou de la fille la plus cocue du monde. Ah ouais, sus, Justine! Sus! C'est vrai que t'es gênante, là. Le nombre de fois qu'on t'a ramassé quand tu bois, là. Quand? Quand est-ce que tu m'as ramassé, Céleste? Hein? Je pense pas que je demanderais une débile légère comme toi de faire quoi que ce soit pour moi, merci. Ben, pas moi, là, mais... Ben, c'est ça. Tu peux pas nommer une personne qui m'a ramassé parce que je me ramasse toute seule, Céleste. Et que j'aille ton nom. Pardon? Pardon, répète donc ça pour voir comment... Ah, comment? Comment des astis d'attaque basse, pour vrai, là? Viens pas nous faire payer le fait que Tienne n'était pas capable de te supporter. Et toi, le Christ de fille qui se fait fourrer par des mafieux pour aller souper dans des restaurants nouveaux riches, là? Même de tes affaires, pour vrai, là, hein? T'as même pas écrit une ligne de ton doctorat en 6 ans, hein? C'est pas vrai. Que des ways, personne ne va jamais lire. Qu'est-ce que tu penses que tu vas changer le monde? Viens pas nous faire chier. Toi, que tu penses qu'on veut dans la vie? Tes études qu'on paye avec nos taxes de contribution. Ah! Parce que nous autres, on travaille. Exact. Non, mais pour vrai, penses-tu que c'est normal, l'envie de pas avoir eu de job quand on a 30 ans? Sérieux, là? Fasciste! Tout est tellement gâché. Justine, c'est peut-être l'occasion pour toi de libérer là, de tout ça, là, puis de faire quelque chose de grand pour une fois, en tout cas de plus grand que d'essayer de rentrer dans du extra small. Parce que moi, te dire, moi, l'extra small, ça te boutine. Quoi? C'est pas vrai, ça. Écoute, je sais pas pourquoi je vous dis ça, là. Anyway, je m'en fous, je m'en crisse tellement. T'as tellement pas de l'air de t'en foutre à te regarder nous verger dessus. Faut juste essayer de faire le bien une fois dans ta vie, non? Hey, Jésus! Qui tu te prends, toi, calice? Faire le bien? Faire le bien? Vous avez le culot de mentir à votre ami pendant un an, puis tu viens me dire ça. Avant la tournée des bars, t'aimerais-tu qu'on s'assoie en demi-lune puis que tu nous récites la catéchèse? Tu penses vraiment que t'es différente, hein? Puis que t'es au-dessus de nous autres? Mais non. Mais non. Tu rates tout, Sarah. T'es loseuse. Non, je pense pas que je suis au-dessus de vous autres. C'est juste que je sais pas pourquoi on est si loin de ce à quoi on aspirait. Ben, nous, on est exactement là où on voulait être. Ah, ben, écoute. Je sais pas, là, mais... Je suis super centrée, moi, c'est une super bonne période. Pour vrai, là, je voulais pas être là. Je veux pas être ici. J'ai pas à vous faire subir ma présence, là. Je vous haïs, vous avez pas été témoin de ça. Asti, quand je vous haïs! Ben, super, ça donne bien, parce que nous autres aussi, on t'haït. T'es-tu bien faite, là, pour moi? Non, non, on t'haït pas, nous! Non, mais Tateuse, peux-tu juste aller partir le char au lieu de taponner mes affaires, là, même? Ben, fais donc ça. Qu'est-ce que tu pensais, Cruzinosa? J'ai plus rien, moi, si j'ai pas ça! Calme-toi, Stine, là! Elle dit n'importe quoi! C'est ça qu'elle veut. Qu'on soit aussi malheureuse qu'elle. T'es perverte! Perverse! Connasse! Mais on s'en fout, rendu là! T'es méchante, Sarah. Puis y a juste une façon de l'épeler. Tu vas mourir seule! Compte pas sur nous pour aller à ton enterrement! Ben, si c'est pour amener ta fille gâtée puis mal élevée qui va pourrir ma cérémonie, tu resteras chez vous, Simone.
Ben, fallait pas que quelqu'un le dise. Oh my god! Inacceptable! Yo! C'est ça que t'as toujours voulu, hein, Catherine? Que je sois en dessous de toi. Ça te fait chier que Doudou, il te demande pas en mariage. Tu peux pas accepter que j'aie réussi ça avant toi, mais que tu viens briser ma vie! On était pas au courant, pis si oui, c'était pas clair. Comment ça, c'était pas clair? Comment c'était pas clair? Explique-moi ça, Fanny. Explique-moi ça, Fanny, qu'est-ce qui était pas clair dans le fait que ma demoiselle d'honneur couche chez vous avec le gars que je vais marier dans fucking deux semaines depuis... au moins... un an. Un an, merci! Puis que vous le saviez tout! Tout! Hey, man! Go! Ça me déçoit beaucoup que tu crois, Sarah. Ah! Hey, pour vrai, là, c'est pas si grave, là. Catherine voulait juste se valoriser un petit peu, hein, Catherine. Bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure du quand t'auras ce message. Bon, j'espère que c'est bien le répondeur de Julie Payette. Ici Guylaine, Guylaine, la mère de Yannick. Écoute, Julie, j'ai pas retrouvé ta voiture, mais j'ai ton chemisier par contre. Alors tu peux passer le chercher ou je peux passer te le porter quand je serai de passage en ville. Par contre, ça m'arrangerait si on pouvait coordonner ça pour que ça donne un jour où je fais déjà le voyage parce que ça, en tout cas, ça des fois ça, en tout cas. Écoute, je voulais te dire, j'ai discuté avec mon fils et tu lui as dit que, enfin, il m'a dit que tu lui as dit que. L'amour, c'est la chose la plus importante au monde, qu'il faut aimer sa mère de tout son cœur, qu'il fallait qu'il prenne soin de moi parce qu'un jour, je serais plus là. Écoute, je sais pas comment, je sais pas comment, de quelle manière, parce que c'est un garçon très renfermé. Avec moi, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé comme ça, je veux dire. Là. On se connaît plus tellement. En tout cas, ça me touche beaucoup. J'avais envie de partager ça, de te remercier. C'est rare les gens qui sont capables de lui parler. Visiblement, t'as un don pour parler aux gens. T'es vraiment, comment dire, quelqu'un d'extraordinaire. In the pines, in the pines.
his head.